Je fais principalement des contributions en italien, donc sur les pages en français qui n'ont pas de traduction en italien, j'essaie de créer l'article en italien sur Wiktionnaire en français. Rendre accessible une information qui n'était pas forcément facile à trouver. Par exemple, sur les traductions en italien du Wiktionnaire, il m'arrive de traduire des mots comme girobroyeur. Et ça exige un certain travail de recherche, de chercher les fabricants. La plupart des dicos, en fait, ne donnent pas cette traduction.